lorsqu'on allait à l'école, qui ça va apprendre nous au niveau secondaire? Il va apprendre nous les grands penseurs de la France, Jean-Jacques Rousseau. Il va apprendre nous Descartes. Il va apprendre nous les grands penseurs grecs, Platon. So, après ça, il va apprendre nous les grands penseurs de l'Angleterre, John Locke. Il va apprendre nous Karl Marx. Et ces bagages, ça, nous chitons à répéter. Là, on est intellectuel en Haïti, on est capable de répéter plus souvent. C'est ça, plus souvent, c'est répéter, excusez-moi, la répéter. Donc, absence de connaissances qui croient avec réalité, nous. Nous pas. Évaluer. Connaissance que nous apprenons. Ok? En réalité, est-ce que nous pouvons parler d'intellectuels haïtiens? Non. Un monde qui dit l'intellectuel en Haïti, c'est un monde qui a étudié à l'étranger. Eh bien, l'État doit être un intellectuel étranger. Il doit être un intellectuel américain. Dans la France, il prend un PhD, il doit être un intellectuel français. Mais pendant ce temps, français n'a pas considéré comme intellectuel. Américain n'a pas considéré comme intellectuel. Donc, je vois le bon en Haïti. En Haïti, le niveau d'étudiant par même privé dans le niveau PhD. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes intellectuels en Haïti. Haïtien, on ne peut pas former intellectuel haïtien. Parce que faut que tu en Haïti, travail, il a pensé sur la réalité haïtienne, il a fait observation dans la réalité haïtienne, il a étudié, il a produit connaissance dans la réalité haïtienne. Donc nous gagnons absence de connaissance qui ne pas nous. Nous parlons de vrais intellectuels en Haïti, qui a pensé en Haïti. Nous avons des gens, soi-disant, intellectuels, qui ont nié la réalité haïtienne. Nous avons allé étudier dans le cadre capitaliste, il y a vie. Il étudie aux États-Unis, il vient d'enlever les têtes capitalistes. Il veut mettre les capitalistes à Haïti. Il étudie en Amérique du Sud, il est les têtes socialistes. Il est les têtes communistes. Il rentre en Haïti. Parce que c'est ça qu'il apprend côté la Léa. Ce n'est pas parce qu'il pensait de ça. C'est pas parce qu'il comprend ça qu'il apprend. Donc, ça que a Léa, c'est ça qu'on connaît, eh bien, l'allemand nous. Donc, le problème, ça, il faut que nous essayions de résoudre. Donc, étant donné que intellectuel ça, c'est blanc qui dit intellectuel, tout ça fait au besoin blanc accepter. Et ça fait les nègres en Haïti, c'est ça blanc dit le fait. Et puis blanc paraît qu'il va pas parler. Parce que déjà colonisé mentalement, il va des chaînes dans nos pieds nous, mais mentalement nous coloniser, nous penser nous au niveau de l'esprit. Langue qu'on a utilisé, langue française, c'est un outil pour coloniser nos liens. Parce que l'homme, non, il est développé en dedans société. Société, ça a une réalité à vivre. C'est-à-dire que l'homme, non, il vit un esprit de peuple qui fait l'homme. Lorsque c'est dans la langue française qui a fonctionné, c'est l'esprit français qui l'a tête. Mais étant donné, ou pas qu'on parle. On voit, ou bien doit pas connaître une pièce côté en France, donc, ou soit fait ou pas comprendre. Esprit qu'on a utilisé ou pas maîtriser, c'est esprit qui a contrôlé, c'est esprit qui a mené, mais on même ou pas maîtriser esprit. C'est-à-dire, c'est ça qui nous dit que ou aliéné ou colonisé mentalement. Son problème gravier pour une société que nous voulons qui avance par rapport avec le monde. Parce qu'il faut qu'on a produit le monde qui est capable de penser. Et ça vient par nous comme résultat qui ça. C'est blanc qui a décidé pour nous. Donc, au niveau. Au niveau. Et idéologique, j'aime te dire là, étant donné intellectuel, nous aussi, de l'étudier, étudié, ne pas prendre en contexte réalité haïtienne, non. Nous avons nous ça, l'Occident produit. Démocratie, nous avons nous. Socialiste, yon pote l'ban nou. Communiste, yon pote l'ban nou. Capital, libéralisme social,
j'ai apprenu ici aux États-Unis, je côté le banon. Mais est-ce que une idée ça aussi une idée africaine ou une idée haïtienne? Idéologie ça ou pas idéologie pas nous? Ce qui base les gens en Haïti, les besoins imposés. Est-ce que société a est capable d'ajuster avec vous? Souvent, un peuple qui n'a pas d'éducation, est-ce qu'on a une démocratie là-dedans? Démocratie, c'est pour un peuple qui est éduqué, parce que les gens peuvent voter ou prendre une décision. Si vous n'êtes pas éduqué, vous n'avez pas fait choix intellectuel. Qui dit, avant même, vous voulez parler de démocratie dans nos pays, il faut que éduquer le peuple, on a une population qui va éduquer. C'est ça qui fait tout le monde a besoin de voter pour 1000 gouttes. Parce qu'il n'est pas compatible. So, tout ça, au niveau idéologique, nous perdons, nous aliénés, nous colonisés. Révolution constructive, positive, ça, nous devons attaquer l'élément ça. Nous devons être conscients de problèmes ça. Et nous devons venir avec l'autre façon que nous comprenons. Par exemple, langue créole, là, c'est un outil pour décolonisation mentale, pour décoloniser l'esprit. Nous, bon, dis-nous bien, nous qui avons fait la révolution 1804, nous mettons ensemble une langue créole. Right? Travail, ça, c'est un travail intellectuel qu'il y a. Son travail philosophique qu'il y a. Alors, si tu n'as pas passé sous l'école, il a utilisé des symboles pour créer une façon pour nous communiquer. Son travail intellectuel philosophique. Il a langue, étant donné, c'est nous-mêmes, ensemble, à tout l'esprit nous ensemble qui fait, langue vient un esprit commun pour nous. Son esprit qui est commun, nous tous comprenons. Elle a pensé, elle a parlé dans la langue, ça, tout le monde connaît bien son abdia. Mais depuis, elle a besoin de mentir qui s'est fait en Haïti. Parle français. Parle français. Depuis, elle a besoin de bafouer le monde. Parce qu'elle connaît la langue, ça, elle n'a pas maîtrisé. Mais si tout nous voulons produire connaissance qui est propre avec la réalité noire, nous devons commencer à adopter la langue créole comme un outil de base pour nous penser. Pour nous produire, pour nous observer, pour nous analyser, pour nous évaluer. Laisse ça, tout le monde est capable de contribuer dans le processus. On doit simplement faire classe primaire, mais il faut participer dans le processus pour produire connaissance dans le pays. Parce que dans la langue, ça, il faut penser là-dedans. Mais lorsque nous avons appris le français, nous pensons en créole. Il n'y a pas qu'à penser en français. Quand c'est un moment pour le produire en français, il n'y a pas qu'à. Donc, c'est un problème qui est grave. Langue n'a son esprit qui est lié. C'est ça que nous devons comprendre. Son esprit qui est lié. Nous n'avons pas qu'à rejeter vrai esprit noir. Nous prenons esprit, on l'autre esprit pour coloniser mentalement, pour marrer nous, pour gêner nous. Nous n'avons pas qu'à parler français, nous gêner. Peut-être ça n'a pas qu'à causer à enfant. Peut-être ça ne va pas aller dans une banque pour prendre des services. Peut-être ça, il y a temps à côté dans la société. Peut-être ça, il y a une subi discrimination dans la société. Est-ce qu'une société comme ça qui a avancé? Donc, nous devons utiliser un langage qui est commun, côté esprit, nous devons vraiment communiquer même là nous ne pouvons pas parler.